un code secret qui va vous permettre d'espionner les appels d'une autre personne. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'action. Donc, pour faire cela, il faut avoir d'abord le téléphone de la personne. Donc, sur le téléphone de la personne, vous allez composer étoile, étoile 21, étoile 06. Donc, vous allez mettre votre numéro. Donc, à la fin, vous appuyez dièse, puis vous appuyez sur appel. Voilà. Transfert réussi. Donc, transfert d'appel enregistré. Maintenant, pour vérifier si les appels est bien enregistré sur votre numéro, si le transfert d'appel est bien enregistré sur votre numéro, on va faire, vous allez taper étoile dièse 21 dièse. Donc, voilà. On va voir transfert d'appel. Donc, vous allez voir votre numéro affiché ici. Donc, ce qui veut dire que votre numéro est bien enregistré par les appels de la personne. Donc, pour ce faire, pour annuler maintenant cela, vous allez composer dièse, dièse, 0, 0, 2, dièse. Donc, pour annuler le transfert d'appel. Donc, on va accepter. Voilà. Transfert d'appel, effacement réussi. Donc, votre numéro a été effacé. Donc, on va maintenant voir si le transfert d'appel est maintenant enregistré et encore enregistré sur votre numéro. On va voir. On va composer donc étoile dièse 21 dièse. Donc, on va voir là. Voilà. Vous allez voir. Donc là, maintenant, transfert d'appel non transféré, non transféré, non transféré. Mais avant, on avait vu le numéro ici qu'on avait mis d'abord. Donc là, maintenant, il n'y a plus le numéro, donc c'est bon. Donc, pour annuler, c'est bon. Et pour transférer aussi, c'est bon. Donc, tous les appels que la personne va recevoir va partir sur votre numéro. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.